Nous sommes aujourd'hui avec Tata Jambon. Tata Jambon. On s'est fait un petit week-end entre meilleurs amis et nous sommes actuellement à Cierque-les-Bains. D'ailleurs, voici le château de Cierque, merveilleux monument du patrimoine national. Hein. N'hésitez pas à aller le visiter si vous passez dans la région Lorraine. Tata Jambon fera une petite guide particulièrement dévouée pour vous. Voilà, elle s'en fout totalement, elle conduit. Je suis c'est bien, hein, la sécurité avant tout. Voici arrivé notre lieu de villégiature. On est arrivé. Enfin. Bon, on se sent jugé. Je sais pas si vous voyez. Non, ça se verra pas, mais il y a des gens qui nous regardent sur la terrasse en peignoir. Il y a que des belles voitures sur le parking. Voilà. On a craqué notre PVL pour venir ici une nuit. Hein, mais... Et moi, j'ai un crédit sur 10 ans avec la carte. C'est ça. On est contente quand même. Allez, Tata Jambon. Allons-y. On y va. Regardez cette influenceuse qui va poster de ce pas une photo sur Instagram pour influencer ses contacts et venir claquer 400 balles pour une nuit au domaine de la Klaus. La Klaus, faut le dire bien. Maintenant, le petit room tour de notre chambre. Petit meuble d'accueil, thé, café et le sac de Tata Jambon. On ne sait pas où est passée Tata Jambon, elle a disparu. Une belle chambre. Je vais vous montrer l'extérieur. Voilà, vue campagne. Là derrière, c'est le hara mais qui n'est pas fini. Visiblement, ça c'est les carrières. Une piscine extérieure. Un jacuzzi. Ah, pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Ah, mais. Super. Et la salle de bain. Mon autre grand lit king size, qu'on essaiera tout à l'heure. Et salle de bain. Tadam. Douche est quand même particulièrement grande. Voilà. Moi je crois que je vais déménager ici. Ouais, t'auras pas les moyens. Mais... De nuit, c'est le prix de ton loyer. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'heure des cadeaux, des cadeaux. On ne fait rien de particulier, mais... Rien du tout, juste notre amitié superficielle. Oui. Sauf que maintenant, on n'est plus des gamines de 17 ans au lycée, on a les moyens de se payer une nuit au domaine de la Klaus. C'est un petit assortiment pour ce soir. C'est trop mignon, attends. Il faut que tu regardes la suite. C'est pour faire nos masques. Trop bien. Moi, je le mettrai comme ça, je m'en fous. Ça, c'est pour dormir cette nuit. On a le même toutes les deux. Il est encore mieux que le BFF. La race. Waouh. Trop belle. Là on va pécho là. 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 Ah bah là il y a du sugar daddy à pécho ici. Là. Hein. Je pense qu'on est sur un bon truc. Merci Maft. Je crois que Flo est heureuse d'être venue avec moi au domaine de la Klaus. Moi aussi j'ai eu mes cadeaux. C'est super. Ça,
Et la crème anti-ride. Je suis heureuse, hein. Ça c'est l'amitié, hein. La belle. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mon vlog il va être censuré si je fais des fucks. Ah oui, en plus. Donc, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est bon. Nous voilà parés pour aller au spa avec nos petits peignoirs de luxe. Coiffure de luxe. Sans oublier, schlapette. On y va! Go! Regardez-moi cette belle tata jambon en maillot de bain célibataire. N'hésitez pas à lui écrire sur Instagram jm-jambon. Disponible de suite, sans réservation. Elle est belle. Oh, je sais pas si vous voyez, mais partout là, c'est des oies. Là aussi, il y a des oies là-bas. Là aussi, et en fait, le principe domaine de la Klaus, c'est qu'ils élèvent des canards et des cochons, il me semble. Et c'est ça qui est servi au repas le soir à l'auberge qui est juste à côté, l'auberge de la Klaus, où on va aller manger incessamment sous peu. Donc en fait c'est leurs produits, leurs animaux qu'ils élèvent ici, qui sont cuisinés pour nous. C'est pas moi. Ouais, les véganes, arrêtez de regarder cette vidéo. Et aucun jambon ne sera blessé ce soir. Regardez cette vue de ouf, avec ce trop beau coucher de soleil. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si ça rentrait bien à la caméra, mais le ciel est rose. C'est trop beau. On part faire notre petit repas à l'auberge. Regarde la vue qu'on a contente. Ouais, la vue est ouf. Je vous montre pas, on en profite pour nous. Regarde ça pour nous, hein, on a payé quand même. Hein. C'est quand même un truc à faire. Hein. Donc on quitte le domaine et on va manger à l'auberge. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'auberge, c'est les produits qui sont élevés ici au domaine. Donc là, en fait, il y a une petite boutique, pour ceux qui connaissent. C'est le foie gras de leur élevage, comme indiqué sur le panneau. Et nous, on va à l'auberge, qui se trouve juste là.
La réalité de nos soirées à deux. BFF. Je suis un renard, elle un ours. Non, c'est un singe. Ah, oh, un singe. Putain. Pas de gros beau. Attends. Voilà les gens. Une amitié qui dure, c'est ça aussi. Une soirée à 30 ans, c'est ça aussi. Un week-end de riche, c'est ça aussi. Bonjour. Bonjour. Ça se voit pas à nos têtes, surtout à la mienne, mais nous avons vraiment très très bien dormi. Nous sommes dans un petit nuage. Literie de qualité au domaine de la Klaus. Ouais, je confirme. Voici Tata Jambon dans sa belle serviette. Regardez ça comme elle est belle. C'est moi. Devinez qui a fait cette magnifique serviette. C'est Baft. C'est moi qui l'ai faite. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Petit pied de bébé. Voilà, je suis créatrice mode serviette haute couture. Merci. Ce que je n'ai pas montré hier, là, il y a une douche sensorielle. Là, il y a une douche finlandaise. Et de l'eau à 10 degrés. Je suis allumée la lumière. Et voilà, c'est déjà la fin de notre vlog en relais château avec Tata Jambon. Oui. C'était notre petit week-end annuel entre meilleurs amis. Donc on espère que vous avez kiffé la vidéo autant qu'on a kiffé notre soirée hier soir. Voilà, voilà, que dire, nous c'était bien. Maintenant on va passer à la caisse, donc je ne vais pas filmer ce moment car nos larmes vont couler. Pour info, là on a payé... Bah 400. Ouais, 400, enfin 384 euros qui inclut la nuit, l'accès au spa, le repas qu'on avait hier soir avec trois plats, en fait entrée, plat, dessert. Et voilà quoi, bah vous avez vu le parking tout à l'heure et la clientèle de ce relais château. Hein. Une nuit ça va, deux nuits ça fait un loyer. Mmh. Mais voilà, on fera ça l'année prochaine ailleurs. On aime bien faire ça, c'est notre petit kiff de daronne. Oui. De vieille, de milf, de vieille, de trentenaire. Voilà, exactement. Bon, voilà, bah à la prochaine du coup. Bye bye. Paillettes de joie dans vos vies.